Et donc franco-japonaise, on est très heureux de vous accueillir donc pour cette conférence du prix Shibusawa Kobel. Bon, merci d'avoir affronté la pluie et le froid. Mon ami Godefroy est en post-doctorant actuellement au Raishawa Institute of Japanese Studies à Harvard. Il vient de l'INALCO, il y a ici beaucoup d'anciens de l'INALCO qui sont présents. Et elle a reçu donc le prix Shibusawa Kobel pour sa thèse de doctorat qui porte sur les rapports entre le Japon et Hokkaido. Pour indication, il s'agit ici du 31e prix Shibusawa Kobel. Le prix a été fondé en 1984 au moment du 60e anniversaire de la fondation de la maison franco-japonaise. Le thème de la conférence, on en a discuté au moment, parce que c'était assez difficile de faire une conférence sur la base d'une thèse de doctorat qui fait plusieurs centaines de pages, et donc de choisir un épisode qui pourrait notamment intéresser le public japonais. Et donc il s'agit du périple de Maurice Beniowski au Japon en 1771. Alors c'est un personnage sur lequel moi-même je connaissais très peu de choses. Et ce qui est assez amusant, si vous regardez simplement sur Internet les fameuses notices Wikipédia qui sont finalement l'encyclopédie du 21e siècle, vous voyez que la notice japonaise est très différente des notices dans d'autres langues, notamment l'anglais ou le français, et on dit que c'est un criminel d'origine ouest occidentale et qui a commis des crimes au Japon à l'époque de la fermeture du Japon, du Sakokuji. Assez étonnant quand même. Je n'irai pas plus loin dans la présentation, je vais laisser à l'auteur de la thèse le soin de nous faire découvrir qui était ce personnage et quels étaient ses liens avec le Japon. Je voudrais tout simplement, pour terminer, remercier pour leur concours la fondation Shibusawa Eiichi, le journal Yomiuri, et également la Société d'histoire des relations nippo-françaises, donc qui ont apporté leur parrainage à l'organisation de cette conférence. Du XVIIIe siècle, et malgré la politique de Sakoku, de nombreux explorateurs, intermédiaires commerciaux et aventuriers sillonnaient les eaux du Pacifique Nord et de la mer de Kotsu. Je vais aujourd'hui vous parler de l'un d'entre eux, Maurice Auguste Aladar Beniowski. À la fin de l'année 1770, ce jeune officier slovaque se retrouve prisonnier d'une colonie pénitentiaire au sud du Kamchatka, d'où il parvient à s'échapper 6 mois plus tard. Avec ses compagnons de fuite, il s'empare d'une galiote de la marine russe et met cap au sud. À l'été 1771, ils accostent par 2 fois sur l'île de Shikoku pour se ravitailler, puis 1 fois à Amami-Ohima. Ils laissent derrière eux à cette occasion de petits objets, quelques dessins, mais surtout une étrange lettre adressée aux autorités de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales de Nagasaki, les avertissant d'une attaque russe imminente sur Hokkaido. Cet événement, aussi imprévu qu'inédit, s'avère, comme on peut l'imaginer, capital dans les réflexions géostratégiques et la politique étrangère japonaise. Mais cet événement inscrit également l'Extrême-Orient russe et le Septentrion japonais parmi les territoires à surveiller pour les puissances de l'Europe de l'Ouest. Les sources les plus couramment consultées par les chercheurs qui s'intéressent à cet événement sont les mémoires écrits par Beniowski lui-même, mais également les sources domaniales japonaises qui font état de son passage. Or, de nombreuses autres sources occidentales contemporaines de l'événement ou postérieures relatent ou mentionnent cet épisode. Si elles ont parfois fait l'objet d'analyses séparément, elles n'ont à ce jour jamais été étudiées de concert. C'est ce que nous comptons faire aujourd'hui. À travers l'analyse conjointe de ces sources, nous souhaitons présenter sous un jour nouveau le personnage de Beniowski, son passage au Japon à l'été 1771, mais également les conséquences de cette visite au Japon, mais surtout en dehors du Japon. Avant de nous pencher sur ces sources elles-mêmes, nous souhaiterions résumer dans les grandes lignes la vie trépidante de Maurice Beniowski. Maurice Auguste Aladar Beniowski est né en 1746 dans les environs de l'actuel Zabove, en Slovaquie occidentale, qui faisait alors partie du royaume de Hongrie. Nous perdons sa trace jusqu'en 1769, où nous le retrouvons gradé de l'armée polonaise, combattant les Russes. Il est fait prisonnier une première fois par les Russes et envoyé à Kazan, d'où il s'échappe finalement pour rallier Saint-Pétersbourg, où il est fait prisonnier de nouveau.
Du fait de sa première évasion, il est considéré par les Russes comme un prisonnier dangereux. Il est donc exilé aux confins de l'Empire. Il est exilé dans une colonie pénitentiaire à Bolcheresk, à l'extrême sud de la péninsule du Kamchatka. En mai 1771, suite à une mutinerie dans le camp et le meurtre du gouverneur de la colonie, il parvient à s'échapper avec plusieurs dizaines de personnes, entre 70 et 100 selon les sources. Ses compagnons de fuite sont des prisonniers comme lui, mais aussi des colons souhaitant quitter l'endroit, et certains responsables administratifs de la colonie embarqués de force et pris en otage. Cette compagnie hétéroclite longe l'archipel des Kouriles et accoste à Tossa et en Awa en juillet 1771, puis sur l'île d'Amami-Oshima en août. Alors ici, vous pouvez voir une carte retraçant tous les voyages de la ville de Benevski. Comme vous pouvez le remarquer, ici, la carte n'est pas tout à fait exacte sur les arrêts de Benevski au Japon. Après son passage au Japon, il poursuit sa route vers Formose et Macao. Là, Benevski se met en contact avec le chevalier de Robien, qui est le directeur de la Compagnie française des Indes, pour monnayer son passage en France. Après une escale à l'île Maurice et à Madagascar, il arrive à l'Orient le 18 juillet 1773. Mais ses aventures sont loin d'être terminées. Le temps imparti aujourd'hui nous empêche malheureusement de rentrer dans les détails d'une vie extraordinaire et fabuleuse. Mais voici en quelques mots les grandes lignes de la vie de Benevski. En 1773, à son retour en France, en échange des informations qu'il a volées en Russie, il ouvre avec des fonds royaux français un établissement de commerce à Madagascar. Cependant, son mode de vie relativement dispendieux lui coûte très vite tout son pécule et il se voit obligé de retourner en France pour demander de nouveaux fonds. La France lui refusant ce nouveau fonds, il approche l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, pour rentrer à son service, mais essuie un nouveau refus. Il ne perd pas espoir et dans le même but, il approche le gouvernement anglais où il se heurte une nouvelle fois un refus. Finalement, il part ensuite tenter sa chance en Amérique, où il décide de monter un bataillon de volontaires pour se joindre à la toute jeune armée américaine. Et malgré une correspondance assidue de plusieurs années avec Benjamin Franklin, il ne parvient pas à trouver des soutiens suffisants aux États-Unis et quitte finalement Baltimore en octobre 1784 pour rallier de nouveau Madagascar. Cette fois, il est muni de fonds pourvus par des commerçants américains qui souhaitent s'implanter et ouvrir un établissement à Madagascar. Désormais, il est devenu un concurrent des Français sur place et il est finalement mortellement blessé lors d'une expédition punitive menée par les Français le 23 mai 1786. Par son parcours transnational qui traverse les principaux empires et les principales puissances de l'époque, Benevski incarne parfaitement le phénomène de proto-mondialisation qui a cours entre le 17e et le tout début du 19e siècle. Ce phénomène a pour origine une nouvelle poussée d'expansionnisme commercial et d'acquisition impériale, parfaitement illustrée par l'expansion de l'Empire russe en Extrême-Orient. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive, la Russie du XVIe siècle se trouve ici, et au tout début du XIXe siècle, c'est toute cette partie rose qui est englobée dans l'Empire russe. Ce phénomène de proto-mondialisation est également dû à une révolution des connaissances qui pousse les hommes à cartographier, à sonder et à classifier ce nouveau monde de découvertes et de conquêtes. Malgré la politique dite du Sakoku et l'ouverture sélective au monde du Japon, le Japon n'est pas en reste, comme nous pouvons le voir ici. Comme on peut le voir sur la carte générale du monde, nous avons ici une carte avec une représentation assez approximative de l'extrême-orient russe. Et à gauche, nous avons une classification, une représentation des différents peuples du monde. À l'intérieur de ce phénomène de proto-mondialisation, les décennies entre 1760 et 1800 sont appelées les décennies mondialisantes. Et l'expansionnisme russe est pour beaucoup dans la création de ces nouveaux réseaux. Ces réseaux russes sont des réseaux de communication et d'échanges transcontinentaux entre Saint-Pétersbourg et le Kamchatka, mais ce sont également des réseaux d'échanges russo-japonais dans les Kouriles via les Ainu. Du fait de l'installation progressive de comptoirs de commerce russes dans les Kouriles, l'Empire pénètre peu à peu dans l'orbite septentrionale du Japon, et ce, à l'insu des Japonais et de nombre de puissances européennes. Comme on peut le voir ici,
les Russes ont installé une première colonie à Chumchum en 1743, puis à Onekotan et Khalenkotan en 1744, et enfin à Ulup en 1769. Du côté japonais, il y a eu l'installation d'un comptoir de commerce avec les Aïnous à Kunashir en 1754. Mais le monde russe est également de plus en plus présent dans l'orbite géopolitique européen. Comme nous pouvons le voir à travers le nombre d'items concernant la Russie, ou la Moscovie, comme elle était appelée à l'époque, dans les rapports annuels rédigés par les Hollandais pour le Shogun. On voit ici que dans la décennie qui précède l'arrivée de Benyovski au Japon, il y a une dizaine d'items concernant la Russie dans les Hollanda Fusetrapi. Pour reprendre les mots du philosophe Novalis, toute histoire à cette époque-là devient une histoire mondiale. Le parcours de Benyovski en est une parfaite illustration et son passage au Japon aura des répercussions bien au-delà de ses frontières. Ces répercussions expliquent d'ailleurs le nombre et la variété des sources occidentales qui existent au sujet de Benyovski, contemporaines ou postérieures. Leur analyse est d'autant plus importante que Benyovski n'hésite pas du tout à exagérer ou même à altérer la réalité pour servir ses fins dans ses écrits. Alors, parmi ses affabulations les plus notables, on trouve par exemple sa propre date de naissance. Il est né en 1746, mais dit être né en 1741. Il ment également sur ses origines nobles et de manière très opportuniste sur sa nationalité. Il se réclame polonais ou français en Russie, se fait passer pour hollandais au Japon et se réclame hongrois à Madagascar. Dans ses mémoires, il a également inventé de toutes pièces plusieurs épisodes. Par exemple, il a inventé son histoire d'amour avec la fille du gouverneur de la colonie pénitentiaire qu'il aurait séduite, qu'il aurait aidé à s'échapper et qu'il aurait finalement perdue à Macao où elle serait morte de maladie et de chagrin. Il ment également sur son passage dans les îles du Commandeur et aux Aléoutiennes, donc les îles du Commandeur ici et les Aléoutiennes ici, avant son passage au Japon. Il ment également à propos du plébiscite local ayant fait de lui l'empereur de Madagascar pendant quelques années. À sa décharge, il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, nombre d'explorateurs embellissaient une vérité qu'il était difficile de vérifier de visu pour les lecteurs et les auditeurs. Mais quoi qu'il en soit, le caractère affabulateur de Benyovski rend d'autant plus nécessaire une définition très précise du corpus. Alors, parmi les sources primaires occidentales qui relatent la visite de Benyovski au Japon, on compte dans l'ordre alphabétique chronologique. Donc les sources primaires russes qui sont difficiles d'accès matériellement et linguistiquement, malheureusement pour moi. À l'été 1771, on a les lettres laissées par Benyovski sur place à son passage au Japon. Le journal du directeur de la factorie néerlandaise de Dejima. Une petite erreur, séculaire, c'est commerciale. Les lettres, journaux et relations des autorités commerciales et religieuses des ports d'entrée de Benyovski. Il s'agit là de sources essentiellement rédigées par les administrateurs des colonies néerlandaises, françaises et anglaises des Indes orientales. Enfin, on trouve les journaux et les relations de voyage de certains de ses compagnons, dont certains ont été traduits du russe. Enfin, on trouve les mémoires de Benyovski, qui ont été rédigées avant 1781, et qui ont été finalement publiés en 1790. Alors, il semblerait que lors du passage de Benyovski en Angleterre, il les ait laissés en gage aux religieux et à l'érudit portugais John Hyacinthe de Magellan en échange d'une importante somme d'argent. Les mémoires sont finalement publiées 4 ans après la mort de Benyovski. À droite, vous pouvez voir la dernière édition en date publiée en France en 2010. Alors, comme on l'a vu auparavant, ces mémoires sont à prendre avec les proverbiales pincettes, car parsemées d'affabulations. L'un des éléments qui a mis la puce à l'oreille aux chercheurs, y compris contemporains de Benyovski, quant au caractère parfois mensonger de son récit, est le fait qu'il prétend avoir voyagé jusqu'aux îles du Commandeur et dans les Aléoutiennes. Benyovski maintient cette version, comme nous pouvons le voir sur cette image, qui est une copie de la carte établie par Benyovski à son retour en France, qui a été retrouvée l'année dernière à Varsovie. Il s'agit de la carte de la mer orientale du Nord, entre les côtes de l'Amérique occidentale et celle de la Tartarie orientale, avec les îles nouvellement découvertes par Benyovski, bien sûr. Le passage de Benyovski dans les Kouriles l'oblige à modifier les dates dans ses mémoires, si bien qu'il a une dizaine de jours de retard
par rapport aux journaux de ses compagnons, ainsi que par rapport aux sources domaniales. En outre, cela l'oblige à modifier les mesures latitudinales et longitudinales de son voyage. C'est finalement ces inexactitudes calendaires et mathématiques qui ont permis de démasquer Beniowski. Le 19 juillet 1771, l'équipage de la galiote Saint-Pierre et Paul accoste dans une baie que Beniowski nomme Killingbourg. Il s'agit en fait du petit port de Sakinohama dans le fief de Tossa. On peut en déduire donc qu'au moins un des membres de l'équipage avait connaissance des rapports privilégiés entre le Japon et la Hollande à cette époque-là. Les différentes sources primaires s'accordent également à dire qu'ils ont été accueillis de manière fort honnête. Certains membres de l'équipage descendent même à terre pour participer au ravitaillement en eau, en bois de chauffe et en denrées alimentaires. À cette occasion, ils sont croqués par un pêcheur local. Cette image, qui a été publiée dans de nombreux livres par la suite, que certains d'entre vous ont pu voir sur le site de la MFJ pour la conférence. Malgré l'accueil cordial qui leur est fait, l'un des compagnons de Beniowski évoque une crainte d'être maltraité des Japonais. Beniowski écrit plus tard dans ses mémoires « Les vents contraires m'avaient obligé à relâcher au Japon où je n'avais abordé qu'avec crainte, celle-ci provenant des impressions que les Hollandais avaient fait méchamment publiées en ce que les Japonais faisaient mourir les chrétiens. » En effet, il est en fait certain qu'à cette époque, la vision européenne du Japon est très sombre, du fait de son isolement partiel, mais également à cause des propos véhiculés par la Compagnie des Indes néerlandaises qui souhaite maintenir sa position privilégiée au Japon. Voici quelques extraits choisis illustrant l'image que pouvait avoir le Japon chez certains penseurs de l'époque. Montesquieu évoque l'atrocité des lois de ce pays ainsi que le caractère étonnant de son peuple opiniâtre, capricieux, déterminé et bizarre. L'abbé Claude-François Lambert déclare les Japonais guerriers, mutins, dissolus, avide, ambitieux et toujours prêt à de grands desseins. Denis Dutrot considère que les Japonais sont inconstants et vains, et d'un naturel fier et violent. En 1779, le capitaine James King, second du capitaine James Cook, écrit dans ses mémoires « Les côtes du Japon sont les plus dangereuses du monde connu. Il aurait été extrêmement hasardeux qu'en cas de détresse, nous ayons eu à relâcher dans n'importe lesquels des ports de ce pays, où, si l'on en croit les auteurs les plus accrédités, l'aversion des autochtones de communiquer avec les étrangers les a menés à commettre de flagrants actes de barbarie. » Enfin, en 1787, Jean-François Gallo de la Pérouse évoque des contrées habitées par des peuples barbares avec les étrangers. Après quelques échanges de bibelots avec les pêcheurs, les autorités du village font comprendre aux étrangers qu'ils trouveront un meilleur refuge plus au nord. Ils lèvent l'ancre et arrivent en fin de journée à Hiwasa, dans le domaine d'Awa, où se trouvait un petit château et une garnison. Les différentes sources concordent ici pour affirmer que les Japonais se montrent plus méfiants. Ils ne les autorisent pas à descendre du navire. Dans une première relation de son voyage en 1772, Beniowski dit que les Japonais se montrent fort peu traitables et les insultent. En 1790, il change un tout petit peu son discours pour dire que sitôt que les Japonais surent que moi et mes compagnons étaient chrétiens, ils firent signe qu'il fallait s'en aller sans pourtant nous offrir aucune insulte et sans employer la force. Deux autres membres d'équipage affirment même que les Japonais leur font un signe déjà internationalement reconnu pour leur intimer de ne pas accoster. Tous s'accordent sur le fait que nuit et jour, de petites embarcations montent la garde autour du navire. Le navire est d'ailleurs inspecté, les canons soigneusement examinés, l'équipage compté par les autorités japonaises. Ce climat assez tendu commence à rendre l'équipage nerveux et ils tentent de mettre les voiles. L'un des journaux des compagnons de Beniowski affirme d'ailleurs que ce n'est qu'en tirant un coup de canon qu'ils parviennent finalement à reprendre la route. Ces événements sont confirmés par les sources domaniales japonaises. Toutefois, d'autres épisodes sortent tout droit de l'imagination de Beniowski. Dans ses mémoires, il mentionne des lieux qui n'apparaissent dans aucune autre source, à l'instar de la baie d'Ushin Patyar. Beniowski prétend y avoir rencontré le seigneur, l'Uligami, potentiellement une corruption du mot Ujigami. Donc ce dernier, le seigneur, lui aurait d'abord demandé le pays d'origine de Beniowski. Suite à quoi, il aura interrogé Beniowski sur sa vision du christianisme. À la fin de leur entretien, l'Uligami aurait assuré à Beniowski qu'il obtiendrait l'accord de l'empereur du Japon lui-même
pour que Benioski puisse relâcher dans tous les ports japonais, à la condition que son but soit purement commercial et non prosélyte ou militaire. En échange, Benioski promet de n'apporter jamais aucun livre parlant de religion et moins encore aucun bronze de son pays au Japon. On peut se demander si Benioski ne procéderait pas ici à une sorte d'autopromotion en affirmant que lui seul peut obtenir pour les puissances européennes le précieux sésame pour accéder aux ports japonais. Un bronze japonais aurait même décrété à Benioski qu'en vérité, au Japon, il y avait un décret de l'empereur de n'admettre aucun chrétien espagnol ou portugais, mais que ce décret ne portait pas contre les chrétiens des autres pays qui n'avaient jamais fait de mal à l'Empire. Cet entretien fictif aurait donc été rendu possible par le bonze de Tosa, ayant appris le hollandais à Nagasaki, ainsi qu'un des compagnons de Benioski, qui aurait appris le japonais à l'école de navigation d'Irkoutsk en Russie. Cet épisode n'apparaît dans aucune des autres sources, et les journaux des compagnons de Benioski insistent sur le fait que lui-même ne s'est jamais rendu à terre. Il semble donc probable qu'il ait inventé cet épisode de toutes pièces. Toutefois, cet extrait permet de mettre en lumière certaines informations dont il avait certainement connaissance. Par exemple, l'interrogatoire sur le pays d'origine de Benioski semble très crédible. Benioski indique que le seigneur a procédé par élimination en lui demandant s'il venait de Chine, des Philippines, du Portugal, de Mandchourie ou de Tartarie. Or, il s'agit en effet de pays desquels provenaient le plus souvent des commerçants ou des naufragés. Benioski sait que certains Japonais apprennent le hollandais à Nagasaki. Il connaît l'existence de l'école de la navigation d'Irkoutsk et sait qu'on y enseigne le japonais. Il sait que les Espagnols et les Portugais ont été expulsés du Japon dans les années 1630, entre autres du fait d'une peur du prosélytisme chrétien. L'adage veut qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et en ce sens, les éléments réalistes des propos de Benioski ont certainement participé à rendre crédible l'ensemble du récit auprès de ses contemporains. Après cet épisode fictif, les sources s'accordent de nouveau pour dire qu'en août 1771, l'équipage du Saint-Pierre et Paul accoste sur l'île d'Amami-Oshima. L'accueil ici est très chaleureux et l'équipage en profite pour reprendre des forces et des vivres. Après une dizaine de jours, ils quittent l'île en laissant derrière eux ce qui fera la renommée de Benioski au Japon. C'est-à-dire un avertissement adressé aux autorités hollandaises de Dejima, les prévenant d'une attaque imminente russe. Je vais désormais rentrer un petit peu dans les détails de l'histoire de l'avertissement de Benioski. Si l'on se réfère aux sources hollandaises, c'est-à-dire au journal de la factorerie Dejima, on s'aperçoit que d'abord, les Hollandais entendent parler du navire étranger dans les Ryukyu et pensent qu'il s'agit des Espagnols, qui sont les seuls à parcourir régulièrement cette région du Pacifique, entre Manille et Acapulco. Les traducteurs japonais de Nagasaki, qui sont habitués au hollandais, ont reconnu la langue allemande, mais ne parviennent pas à déchiffrer le haut allemand quelque peu maladroit et alambiqué utilisé par Benioski, dont ce n'est pas la langue maternelle. Il demande donc de l'aide aux hollandais pour traduire ses propos et de toute urgence. L'assistant hollandais qui se charge de cette tâche ne parvient pas à déchiffrer la signature de Benioski qui lit « Van Bengolo ». C'est donc d'abord sous le nom de Han Bengolo que Benioski sera connu au Japon. Le document original contenant la signature de Benioski a été perdu. Mais pour se faire une idée de la difficulté de ce type de déchiffrage, il suffit de regarder la signature de l'assistant en question, Ernest Rudolf Christian von Beckstein. Donc là, on retrouve le E, le R, le C, le petit V, le B, B. Et Beckstein. Nous avons pu obtenir une version numérisée de la copie qui a été faite par les Hollandais de l'avertissement de Benioski, comme l'original a été perdu. Après une petite introduction sur son périple, Benioski poursuit qu'il a des informations importantes à révéler. À travers cette lettre, il exprime son respect pour l'état éclairé de Hollande et juge nécessaire de l'informer que cette année, deux galiotes et une frégate venant du Kamchatka, sur un ordre russe, ont croisé au large du Japon. Ils ont couché sur papier un plan d'après leur prospection, selon lequel une attaque de Matsumae et des îles environnantes, au sud du parallèle 41-38 latitude nord, a été fixée pour l'année prochaine. Dans ce but, une forteresse a été construite sur l'île des Kourils proche du Kamchatka, et des munitions, des pièces d'artillerie ainsi qu'un magasin d'armes ont été installés. Benioski regrette de ne pouvoir les rencontrer en personne, et il leur donne un conseil: en tant qu'ami de votre éclairée république et de votre religion,
Il faudrait que vous apprêtiez et teniez prêt à intervenir un croiseur, si vous le pouvez. Il signe Baron Aladar Beniowski, commandant en chef en captivité. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'île de Matsuma, dont parle Beniowski, actuellement connue sous le nom de Hokkaido, est séparée en deux. La péninsule d'Oshima, au sud de l'île, est sous le contrôle japonais par le biais du fief de Matsumae. Et l'immense territoire qui s'étend au-delà de ses frontières, appelé Ezochi, c'est-à-dire la terre des barbares, est habité par le peuple Ainu. La mainmise japonaise sur Ezochi et sur les Kurils n'est pas encore très affirmée en 1771 et la menace peut donc paraître crédible. Toutefois, une nouvelle fois, Beniowski altère la réalité. Tout d'abord, plutôt que de se présenter comme un fuyard et un ex-prisonnier, il se présente comme une sorte d'agent double, envoyé en mission en Russie, mais néanmoins prêt à dévoiler des informations secrètes aux Hollandais. Pour étayer sa thèse et rendre ses propos plus crédibles, il ajoute dans son avertissement quelques éléments cartographiques. Toutefois, son mensonge paraît d'autant plus grossier que Beniowski sait pertinemment bien, pour y avoir vécu, les conditions de vie et les infrastructures du Kamchatka à l'époque. Son compagnon de fuite, Hippolyte Stepanov, décrit d'ailleurs Bolcheresk comme un petit endroit du Kamchatka, mal peuplé, ravagé par la petite vérole, où les habitants étaient vêtus de peau de chien et ne mangeaient que du poison. Ces habitants étaient par ailleurs presque sans armes, il n'y avait là que 10 soldats, aucune fortification et 3 canons sans affaire. Il aurait donc été impossible de lancer une attaque de Bolcheresk. Les préparatifs pour une telle campagne seraient par ailleurs impossibles, vu la difficulté d'acheminement du matériel de Saint-Pétersbourg et Moscou jusqu'à l'Extrême-Orient. En outre, le tsar aurait beaucoup plus d'intérêt à maintenir des relations cordiales avec son voisin japonais. L'une des raisons pour ceci est les conséquences du traité de Nerchinsk. Après la défaite de la Russie contre la Chine, le traité limite le commerce russo-chinois à la ville de Kiatka. Par ailleurs, toute installation russe sur Sakhaline et au sud de la chaîne de montagnes des Stanovoy est interdite. Les colonies russes d'Extrême-Orient dépendent donc en partie du bon vouloir du Japon pour survivre. Donc finalement, face à cet avertissement, les autorités hollandaises de Dejima se montrent sceptiques. Et les autorités shogunales décident de garder l'avertissement et les informations qu'il contient secrètes. Donc ces informations et l'existence même de l'avertissement ne sont même pas transmises aux premiers concernés, c'est-à-dire le fief de Matsumae. Pourquoi Beniowski a-t-il donc menti ainsi ? On peut imaginer que ses motivations sont certainement très pragmatiques. On peut se demander si l'une de ces raisons n'est pas de mettre la Russie dans l'embarras vis-à-vis du Japon et de la Hollande, de manière à rendre encore plus précaire la situation des colonies d'Extrême-Orient. On peut également imaginer que, ne sachant pas où sa fuite va le mener, il essaie de paraître sous un jour favorable vis-à-vis de la compagnie qui contrôle une bonne partie du commerce dans le sud-est asiatique. Alors, il est intéressant de noter que dans ses mémoires, lorsqu'il considérera ne plus avoir besoin du soutien hollandais, Beniowski accusera la compagnie néerlandaise des Indes de connivence avec l'empereur japonais. Il accusera la compagnie et le Japon de vouloir envahir Matsumae et les Kurils, exactement les mêmes territoires dont il accuse les Russes de vouloir faire l'acquisition. Alors, avant d'évoquer les conséquences du passage de Beniowski en dehors du Japon, et bien que cela concerne plus les sources japonaises qu'occidentales, nous souhaiterions à présent évoquer brièvement les conséquences du passage de Beniowski au Japon même. L'île de Beniowski est la première d'un navire étranger au Japon depuis le passage de Martin Spanberg en 1739 et la dernière avant l'arrivée d'Adam Laxman réclamant l'ouverture de relations commerciales avec la Russie en 1792. Comme on peut facilement l'imaginer, le passage de Beniowski et son avertissement ont donc eu d'importantes conséquences sur place, parmi lesquelles la découverte japonaise de la proximité géographique russe. Alors on peut illustrer ceci par des cartes japonaises établies avant et après le passage de Beniowski. Alors par exemple, sur cette première diapositive, on remarque le peu de changement de la représentation du septentrion japonais en près de 8 décennies qui séparent les dates de ces deux cartes. Donc ici, on a le Tohoku, ici l'île de Matsumae, là c'est Sakhaline, tout groupé ensemble, les Kurils.
Alors, après le passage de Beniowski, voici une carte de 1779 où les kurils sont bien indiqués. Voici une carte un petit peu plus connue de Hayashi Shihei de 1785. Donc, les kurils sont encore un petit peu représentés n'importe comment. Par contre, on voit très clairement ici le Kamchatka relativement proche du Japon. Le passage de Beniowski a motivé par ailleurs des missions d'exploration dans le... Et après ces expéditions, on a de nouveau un grand changement cartographique. Donc sur cette carte, on peut voir clairement Sakhaline bien dessinée et les kurils jusqu'au Kamchatka. Et quand on compare cette carte à la réalité topographique, on remarque qu'elle est quand même assez bien établie. Donc conséquemment à ces découvertes cartographiques, on assiste à l'émergence d'une réflexion parmi les lettrés concernant le système de défense japonais en cas d'attaque maritime. Ces différents traités de défense maritime, Kaibōran, sont souvent accompagnés de compilations d'informations sur la Russie. Donc voici pour les conséquences au Japon, un boom de la littérature concernant la Russie. Pour parler des conséquences en Russie, on peut prendre la mesure de ce qui s'est passé à Bolcheresk en étudiant le journal de James King, daté de mai 1779. Il y décrit la crainte des Russes de cette colonie vis-à-vis de la France, dont se réclamait Beniowski. Il indique que leur peur venait de leur intime conviction que nous étions Français. Leur appréhension extrême de cette nation émanait d'une insurrection qui avait eu lieu à Bolcheresk quelques années auparavant, durant laquelle le commandant avait perdu la vie. Alors, si on évoque les conséquences de la visite de Beniowski au Japon en France, on remarque qu'elles prennent une tournure particulière du fait des tensions naissantes entre la France, l'Angleterre et la Russie. Alors, on prendra pour exemple un rapport adressé par le diplomate Jean-Benoît Scherrer au secrétaire d'État des Affaires étrangères de Louis XVI, daté de juillet 1776. Alors, ce rapport affirme que Beniowski a rapporté de Russie la preuve authentique que dès 1768, la Russie effectuait des préparatifs dans le Kamchatka en vue d'une invasion japonaise avec l'aide de l'Angleterre. Dans cette optique, le rapport affirme que les Russes enlèveraient des Japonais pour enseigner leur langue en Russie. Alors, il y a bien des enseignants japonais dans les écoles de langue en Russie, mais il s'agit de naufragés qui ont été recueillis. Jean-Benoît Scherrer conclut donc dans son rapport au duc de Vergennes: pour n'avoir jamais été exploité, la proximité de la Sibérie du Sud et des îles septentrionales du Japon peut, à un moment donné, créer d'incalculables avantages à l'initiative d'un gouvernement audacieux. En effet, après 1771, certains de ces gouvernements audacieux qui ont eu accès aux informations de Beniowski ont décidé d'agir. En 1772, une instruction secrète transmise au navigateur James Cook lui ordonne de s'emparer au nom de la couronne britannique de toutes les terres du Pacifique Nord pour lesquelles il est certain que le droit du premier arrivant n'est ni espagnol ni russe. Son trajet est d'ailleurs indiqué en pointillé bleu ici et on voit qu'il passe exactement par cette région. En 1773, le vice-roi de la Nouvelle-Espagne, donc du Mexique, prend la décision d'envoyer plusieurs expéditions dans le Pacifique Nord. Donc, une de ces expéditions, en 1779, est la première à atteindre les îles Kayak, et une autre prend un petit peu plus le chemin du voyage de Beniowski. En 1785, le roi Louis XVI enjoint Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, d'explorer le Pacifique Nord. Parmi ces missions, on trouve se renseigner sur les possibilités d'ouvrir un quelconque commerce avec le Japon. D'après un bon nombre d'historiens, ce sont précisément ces expéditions et ces voyages qui marquent le début de l'exportation outre-mer des conflits entre les puissances européennes. Alors, dans cette même optique, le périple asiatique de Beniowski est évoqué dans différents articles afférents aux affaires étrangères en Europe. Ces articles, qui sont destinés aux diplomates, aux hommes politiques, aux élites économiques, permettent de mettre en lumière certains des réseaux d'information qui existent en Asie à cette époque-là. Alors, par exemple, un réseau d'information anglais bien implanté dans la région. Donc, le passage de Beniowski à Macao a été remarqué par un ancien médecin
des Indes qui, de retour en Angleterre, en parlent à deux journaux pour des gentlemen. Il existe aussi des réseaux d'information russo-hollando-germano-français dans cette région. Donc nous avons au départ de ces articles le journal d'un des compagnons de Beniowski écrit en russe, qui a ensuite été traduit en hollandais parce que à Batavia, là où est mort le compagnon de Beniowski. Et il est possible que cette relation ait également été traduite en allemand par la suite. Et ces deux traductions différentes sont publiées à 7 ans d'écart dans un journal pour diplomates français. Après la publication des mémoires en 1790, c'est un lectorat européen plus grand public qui va découvrir le passage de Beniowski au Japon. Ces mémoires sont rapidement traduits dans les grandes langues européennes et deviennent un best-seller. Beniowski devient une sorte de célébrité, de people au début du 19e siècle, au même titre que certains de ses contemporains un petit peu plus connus, tels que le baron de Münchhausen ou le comte de Cagliostro. À ce titre, ses aventures rocambolesques font de lui l'objet de nombreuses pièces de théâtre et de fictions diverses, publiées dans des journaux ou dans des romans. Parmi les plus connus, en voici deux. Donc, par exemple, la pièce « Comte Beniowski » ou « La conspiration du Kamchatka » d'August von Kotzebue en 1794. Cette pièce est relativement connue aux États-Unis car le soir de sa première américaine correspond à la première représentation publicisée de l'hymne national américain. Alors, en 1800, la pièce « Beniowski » ou « Les exilés du Kamchatka » voit le jour par Alexandre Duval et Boileau-Dieu. Alors on peut percevoir la renommée de cette pièce car elle est presque immédiatement parodiée au théâtre de Vaudeville sous le titre « Je ne sais qui » ou « Les exaltés de Charenton ». Charenton était un endroit où il y avait un asile très connu. Alors faute de temps, nous pouvons évoquer en détail tous les autres textes inspirés par les aventures de Beniowski. Toutefois, il est bon de préciser que malheureusement, la plupart des intrigues semblent avoir pour élu domicile dans les steppes sibériennes plutôt que sur les côtes japonaises. On peut dire que la vie mouvementée de Beniowski et son passage plus ou moins fortuit sur nombre de théâtres d'action autour du monde font de lui un témoin privilégié et un protagoniste. Et à ce titre, il intéresse encore bon nombre de chercheurs aujourd'hui. Pour exemple, les sources académiques récentes, donc entre 2000 et 2013, qui ont paru à son sujet. Alors, pour conclure, Beniowski a été appelé tour à tour un affabulateur, un imposteur, un homme audacieux à la scandaleuse célébrité. Il a été appelé une incarnation du comte de Monte Cristo ou un Robinson Crusoe hongrois. Il a été traité de pirate, de héros, de plaisantin, d'homme louche, peu scrupuleux et prompt à l'exagération. Il a été surnommé l'empereur de Madagascar, le comte qui criait au loup, ou encore le dernier des flibustiers. Mais pour nous, c'est avant tout un témoin rare des conditions de vie et des infrastructures en Extrême-Orient russe et au Japon. Et ce n'est pas un hasard s'il a même été cité comme référence par Fernand Braudel lui-même quand il évoque les colonies russes en Extrême-Orient. Que nous a apporté l'étude du passage de Beniowski au Japon, selon les sources occidentales? Cette étude peut illustrer l'importance et l'influence que pouvait avoir à cette époque et dans cette région un événement isolé, fortuit et relativement inattendu. Cette étude permet de mettre en lumière les réseaux d'information reliant l'Asie et l'Europe, de plus en plus nombreux, rapides et efficaces. Cette étude témoigne de la méfiance persistante des Européens vis-à-vis du Japon, en tant que menace directe pour les voyageurs égarés, mais également en tant que menace indirecte comme territoire attisant les convoitises européennes. Enfin, elle nous permet d'observer que la région de Hokkaido et des Kouriles, encore relativement vierge de toute emprise européenne, va rapidement devenir une région à fort enjeu géostratégique. Des enjeux qui, comme vous le savez, persistent encore aujourd'hui. Nous espérons également que cette étude vous aura apporté quelque chose auquel je n'ai pas pensé aujourd'hui. Merci de votre attention. Noémie, pour cette conférence très, très riche, très, très documentée, avec beaucoup de documents, en tous les cas nouveaux pour moi. Il est vrai que ce périple de 1771, d'un personnage qui est un véritable personnage de roman,
a finalement des conséquences géostratégiques insoupçonnées. Il nous reste un tout petit peu de temps si vous souhaitez poser des questions ou faire des remarques sur un point ou un autre de la présentation. Oui, mademoiselle, vous pouvez apporter un micro. Alors, comme l'a précisé le professeur Marquet tout à l'heure, ma thèse est un petit peu épaisse et peut-être pas forcément très intéressante pour des non-spécialistes, je ne sais pas. Mais sans aucun doute, le chapitre le plus intéressant pour le grand public de cette thèse est le passage de Benyoshi au Japon. Personnellement, ce que je trouve intéressant dans ce thème, c'est le décalage entre un événement très inattendu et pas du tout planifié et l'effet domino qu'il y a eu après dans les expéditions qui ont été menées par le Japon, mais également par les puissances européennes dans le Pacifique Nord. Par ailleurs, même en faisant omission des affabulations de Benyoshi, ce qu'il a effectivement fait, les endroits où il a effectivement été, les lettres qu'il a effectivement échangées avec Benjamin Franklin en font un acteur très intéressant de, comment est-ce qu'on pourrait dire, la politique étrangère dans un monde en train d'être mondialisé. Donc, je vous remercie pour votre question et j'espère y avoir plus ou moins répondu. La première chose qui m'a surprise, peut-être à l'inverse, c'était combien Benyoshi était au courant des enjeux géostratégiques, géopolitiques, etc. Et combien il a pu en user en inventant des tas d'histoires, à son profit évidemment. Et donc cette connaissance individuelle de quelqu'un qui était au bout du monde, dans un camp, me semble assez étonnante et pose des questions sur la diffusion du savoir, comme tu le disais au départ de ton exposé. Par contre, je n'ai pas bien compris le lien entre son aventure de finalement quelques rencontres au Japon et les conséquences que ça peut avoir dans la politique shogunale, par exemple, ou des fiefs. Donc ça, c'est une question un peu technique, mais peut-être que... est-ce que je peux te poser la question de ce qu'on dit de lui dans les sources japonaises, puisque ça a été moins évoqué dans cet exposé, et qui pourrait peut-être expliquer d'ailleurs la différence entre les deux Wikipédia, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que tu peux évoquer pour nous un petit peu ce que disent les sources japonaises? Et dans ces cas-là, quel impact ça aurait pu avoir sur les politiques, en effet? Alors, d'abord, merci pour ta question. Un petit mot sur les informations qu'avait donc Benyoshi sur le Japon à l'époque. Donc, les sources s'accordent à dire qu'il faisait partie d'une élite dans la colonie pénitentiaire et qu'il était très proche du gouverneur qui a fini assassiné et qu'il aurait eu accès, effectivement, à beaucoup de rapports russes effectués sur le Japon et les Kuriles. Ensuite, comme il a rédigé ses mémoires, on pense avant 1781, il a pu glaner des informations sur le Japon à Macao, à Formose, à Batavia, possiblement en France. Donc il a accumulé, de manière étonnante d'ailleurs pour l'époque, beaucoup d'informations sur le Japon. Alors ensuite, suite à son passage au Japon, avant même de parler de politique shogunale, il faut parler des écrits qui ont été rédigés par les lettrés. Les seuls qui ont été commandités véritablement par le shogunat sont celui-ci et ceux-ci. Et ces sources-là sont des compilations sur tout ce que les Japonais pouvaient savoir sur la Russie à l'époque, des traductions d'ouvrages occidentaux, des rapports de missions d'expédition dans le Nord. Mais les autres sources, dont les deux premières, sont des sources qui ont été rédigées par des lettrés qui ont appris
le passage de Benioffsky par des interprètes japonais de Dejima. Et ce qui inquiétait le plus les autorités shogunales à l'époque, c'était premièrement que ces sources s'ébruitent. Par exemple, Hayashi Shihei, après la révélation du système caduque de défense japonaise, a fini assigné à résidence à vie pour éviter que ça se sache. Ensuite, plus que l'identité même de Benioffsky, ce qui pouvait être inquiétant, c'est le déséquilibre entre le savoir russe des voies maritimes septentrionales et la méconnaissance japonaise de la géographie de Matsumae et d'un territoire avec lequel ils étaient en relation depuis des siècles. En fait, c'est véritablement qu'après 1792 et l'ambassade d'Adam Laxman que le shogunat, de manière plus officielle, fait état de son besoin d'informations sur la Russie. Donc les sources japonaises avant le 19e siècle ne s'expriment pas vraiment sur la personne même de Benioffsky. En fait. Dans le dernier paragraphe, j'évoquais les différentes manières, les différents surnoms que Benioffsky a pu accumuler. Et certaines de ces appellations ont été données par des auteurs japonais postérieurs. Donc il y a des auteurs japonais qui considèrent que c'est un héros et d'autres qui considèrent que c'est un plaisantin. Dans la suite de la question qui vient d'être posée, je viens de comprendre que l'histoire des îles Kuriles entre le Japon et la Russie ne date pas de la dernière guerre mondiale, comme beaucoup d'auteurs nous l'ont présenté, mais plutôt depuis plus de trois siècles, depuis le 18e siècle. Et je me raconte, j'ai compris que, en fait, ce sont les Européens, qu'il s'agisse de Nuski ou de ceux qui ont conduit des expéditions après les révélations mensongères de celui-ci, ce sont donc tous les Européens qui, entre guillemets, je m'excuse le terme, qui auraient créé les conflits entre la Russie et le Japon sur les îles Kuriles. Parce qu'en fait, les Japonais ne savaient même pas qu'ils avaient une proximité géographique avec la Russie selon ce que vous avez dit. Lorsque vous dites que, répondant à une question, la première question qui était posée, lorsque vous dites que ce chapitre sur le voyage de Benioffsky est le plus important de votre thèse, je suis en train de me poser la question si madame, vous êtes en train de travailler pour esquisser une solution à la résolution de cette question sur les îles Kuriles. Parce que ça semble être finalement, au bout de trois siècles, un défi pour les diplomates. On aurait cru que la Russie, le Japon avait besoin de médiateurs. Leur voisin immédiat, qui aurait pu l'être, il est lui aussi en conflit avec le Japon sur une question territoriale. Peut-être la réponse, la solution viendrait de ceux-là qui ont créé le problème. Merci beaucoup pour votre question et vos remarques, très intéressantes. Vous avez tout à fait raison, le conflit dans les îles Kuriles date bien, les origines du conflit datent bien de la fin du XVIIIe siècle. Malheureusement, le temps imparti m'a empêché de parler d'un autre acteur régional extrêmement important sous la forme des populations locales, c'est-à-dire les Aïnous. Les Aïnous qui commerçaient depuis des décennies avec les Russes et depuis des siècles avec les Japonais. Et c'est leur assimilation progressive par les Japonais et par les Russes qui peut illustrer véritablement le grignotage de ces deux empires à partir du début du 19e siècle. Au début du 19e siècle, les puissances européennes que vous évoquez ont détourné leur attention de cette région-là du fait des guerres post-révolutionnaires en Europe. Donc, à partir des années 1794-1795,
Après toutes ces grandes expéditions, les puissances européennes ont focalisé toute leur attention géostratégique au conflit, entre autres, du fait des Français. Et il ne reste plus du coup que les Russes dans le septentrion japonais pour s'opposer à la pression japonaise. Donc finalement, il ne restera plus que deux empires qui prétendront à la souveraineté régionale à partir du début du 19e siècle. Et il faudra attendre 1855 pour qu'un traité officiel bilatéral décide de quel territoire, quel kouril appartient à qui. Mais votre question et votre remarque montrent en effet qu'il ne serait pas inutile que ces événements soient mieux connus pour remettre un petit peu en contexte historique les conflits qui persistent aujourd'hui dans cette région. Donc je voudrais qu'on remercie à nouveau Noémie et puis son interprète, Mme Tagano, qui a beaucoup travaillé ce soir.